Gut morgen alle Juden. Le titre aujourd'hui le Lion Shmat Amram Yona ben Chana Pegi bat Esther Nissim ben Ahuda Michael Novikov et Saul Vanish et aussi le Rfuat Orut bat Claudine Raina Simcha bat Masoudi Efrat Ma'ayan bat Lea Betor Shah Chol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Abuyot par Yidalet Mishnah Hey Kerem Revai Bet Shamay Omrim En Lo Chomesh Ve En Lo Bi'ur Ou Bet Yilel Omrim יש לו חומש ויש לו ביור. בית שמאי אומרים, יש לו פרט ויש לו עוללות, והעניים פודים לעצמם. ובית הלל אומרים, כולו לגעת. On va parler dans cette Mishnah de ce qu'on appelle le Kerem Revaï, qu'on va comparer au Maaser Sheni. Kerem Revaï tout d'abord. Kerem Revaï, il y a une halakha, il y a marqué dans la Torah comme ça. Lorsque vous arriverez en Eretz Israël et que vous planterez un arbre, alors pendant 3 ans, l'arbre sera orla. Vous laisserez ses fruits en orla. Littéralement, orla, c'est l'appendice. Je ne sais pas comment on s'entend tellement dans les mots cette fois-ci. Mais en tout cas, vous laissez en friche, vous le laissez, vous en occupez pas. Maintenant, Bashana Revi'it, Yekol Pirio Kodesh Ilulim Lachem. La quatrième année, alors, son fruit sera Kodesh Lachem, Yekol Pirio Kodesh Ilulim Lachem. Bashana Chamishit, alors la cinquième année, ce sera permis. Soit, lorsque je plante un arbre pendant 3 années, les 3 premières années, je n'ai pas le droit du tout de l'exploiter, l'arbre. Je le laisse pousser. Entre parenthèses, ça arrive, c'est très fréquent à notre époque, même à notre époque, et même, c'est pour ça qu'il faut faire attention au bon Hercherim, même en Israël, parce que lorsqu'on déracine un arbre, si on ne lui retire pas une quantité viable de terre avec l'arbre pour le replanter ensuite, et bien, lorsqu'on va retirer l'arbre et le replanter, il faut recommencer le décompte des 3 ans. Et dans l'agriculture moderne, très fréquemment, on calcule au centimètre près comment exploiter au maximum les champs, et puis très fréquemment, on déplace les arbres. Si vous avez une idée, quoi, j'ai déjà lu un petit fascicule qui expliquait les problèmes. Enfin, pour expliquer que c'est très fréquent et qu'il faut faire attention à manger des fruits avec un bon hercher. Un bon hercher qui s'occupe où il y a savoir de quoi, qu'est-ce qui se passe. Quoi. Concrètement, on revient sur notre sujet. Ça, donc, 3 ans, je n'ai pas le droit de manger l'arbre. 4e année, on a le droit de manger le fruit de l'arbre, mais le fruit est kadosh, il est saint. Ça implique de le prendre et l'amener à Yerushalayim et le manger à Yerushalayim. Je ne dois pas le donner aux pauvres, il m'appartient à moi, mais je l'amène à Yerushalayim et je le mange moi à Yerushalayim. Lorsque j'ai une trop grande quantité de fruits de la 4e année que je ne peux pas transporter à Yerushalayim, ou encore jusqu'à que je monte à Yerushalayim, ils vont pourrir, la Torah m'a laissé la possibilité de lui faire un pidyon, de le racheter, de transférer la sainteté des fruits sur de l'argent, et de prendre cet argent et d'aller le dépenser à Yerushalayim. Fin de l'introduction du Kerem Revaï. On met ça de côté, et maintenant on va parler du Maaser Sheni. Maaser Sheni, lorsque je récolte mon champ, alors, on a déjà évoqué plusieurs fois, il y a plusieurs dons à faire au Kohanim, au Lévi'im, et même parfois aux pauvres, ou encore à moi-même utiliser, manger ces fruits à Yerushalayim. Soit, je donne d'abord 1/50 au Kohen, après de ce qui reste, je donne 1/10 au Lévi, et puis après je prélève le Maaser Sheni, c'est-à-dire avec Tourouma Gdola, Maaser Rishon, et maintenant Maaser Sheni, le deuxième Maaser. Que se fait avec ce deuxième Maaser? Alors ça se passe en cycle de 7 ans, les cycles agricoles, où il y a la 7e année, c'est l'année de la Shemitah, et il y a les 6 ans, c'est séparé en fait en 2 fois 3 ans. 1, 2, 4, 5. Pendant les années 1, 2 et 4, 5, je dois donner ces fruits-là, je ne dois pas les donner, c'est ce qu'on appelle Maaser Sheni. Ce que je dois faire, c'est prendre ces fruits, les amener à Yerushalayim et les manger à Yerushalayim. Et l'année 3 et 6, je ne dois pas les amener à Yerushalayim, je dois plutôt les donner aux pauvres, c'est ce qu'on appelle le Maaser Ani. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est pour les années 1, 2, 4, 5, que, regardez la similitude de nouveau, encore une deuxième fois, dans la Torah, où je dois prendre des fruits et les amener à manger à Yerushalayim. Là, dans le Maaser Sheni, la Torah m'a explicité plusieurs halakhot. Et la question de toute notre Mishnah va dépendre d'une seule chose. Regardez la similitude apparente entre le Kerem Revaï et le Maaser Sheni. Dans le Maaser Sheni, la Torah m'a explicité plusieurs halakhot. La question est de savoir, est-ce que ces halakhot, elles vont être en vigueur aussi pour le Kerem Revaï ou non? D'après Beth Hillel, il y a une Xera Shava. Par transmission, on apprend qu'il faut apprendre un sujet de l'autre. Kodesh, Kodesh. Et d'après Beth Shammai, je n'apprends pas l'un de l'autre. Et de ce fait,
les halakhot singulières qui ont été dites dans le Maaser Sheni ne vont pas être en vigueur dans Kerem Revaï. Si vous avez compris ça, vous avez compris le principe de toute la Mishnah. Concrètement, maintenant, on va aborder les cas particuliers. La Mishnah, elle a séparé ça en deux halakhot. La première partie, elle est simple. La deuxième partie, il y a un petit coup plus délicat. Premièrement, tout d'abord, je vous ai dit, faut, dans le Maaser Sheni, lorsque je dois racheter les fruits, la Torah m'a explicité, Bachamishito Yosef Alav, je dois rajouter le cinquième. Soit si j'ai des fruits d'une valeur de 100 shekels, alors je ne vais pas juste prendre 100 shekels, mais je vais rajouter le cinquième qui va vous faire, bien sûr, vous connaissez déjà le vice, pas 120 mais 125 parce qu'on calcule 1000 bars. On a déjà évoqué le calcul original, tu dois rajouter quelque chose qui sera le cinquième ensuite, donc tu dois rajouter le quart en fait. Le cinquième. D'accord ? Je dois rajouter 25. Une valeur de 100, je le transfère sur 125. Ça a été dit dans le Maaser Sheni. Autre halakha encore, il y a à la fin du cycle des 3 ans, à Pessah, je dois faire ce qu'on appelle le bi'our. Il va y avoir un moment, tous les 3 ans, où je dois vider de tous les stocks de troumot, de maasrot que je n'ai pas encore donné, je dois tous les distribuer, ce sera au Pessah de la 3e année, à la fin de Pessah, premier octobre je crois. Et il faut, en fait, c'est ce qu'on appelle le bi'our. On supprime tout ce qu'on a chez soi. On doit remettre tous les comptes à zéro, partir de nos kohanim, si j'ai encore du vin de Trouma que j'ai pas donné parce que ça avait traîné, que j'espérais. Ça y est, tu vas, tu le donnes, tu distribues tout ce qui reste, tu gardes rien chez toi. C'est ce qu'on appelle le biour. Ça implique sur le Troumot, Maasrot. Et la question est de savoir ce que je dois le faire sur le Kerem Revaï. Alors regardez, Kerem Revaï, littéralement, c'est l'arbre de du Revaï. Après la Orla, il y a le Revaï. Kerem, c'est parce qu'il y a une discussion en réalité. Est-ce que cette halakha, selon la Torah, ne s'applique que sur un kerem, sur une vigne, ou sur tous les arbres? D'accord, ça revient au même. La halakha, il me semble que c'est sur tous les arbres, mais la Torah, il n'y a aucun doute, même, je crois. D'accord, Vedav Davka Kerem, c'est écrit comme ça ici dans le Tiferet Israël. Vedav Davka Kerem, ou Adin Kolets Machal. Tous les fruits. Donc, un fruit de la 4e année. Bet Shamay Omrim. La 4e année de l'arbre. D'accord, Bet Shamay Omrim, Bet Shamay enseigne. En lo chomesh, ve en lo biur. Sur ce fruit-là, lorsque tu vas vouloir transférer la Kdusha sur de l'argent, tu n'as pas besoin de rajouter le Chomesh, rajouter le cinquième. Ven lo biur, et lorsque va arriver le Pessah de la 3e année, tu n'auras pas besoin de supprimer les stocks d'argent rachetés chez toi, de vite te dépêcher d'aller les donner ou d'aller les brûler, ou peu importe. Tu pourras patienter encore, même l'année d'après, l'année supplémentaire, parce que la halakhot du Revaï, de Kerem Revaï, ne sont pas concernés par la halakhot du Maaser Sheni. Le biour a été dit sur le Maaser Sheni, sur les Troumot, sur le Maasrot, mais pas sur le Revaï. L'arbre de la 4e année. Au Beit Hillel Omrim, Yesh lo Chomesh, mais Yesh lo biour. Selon Beit Hillel, il y a une Xera Shava entre le Maaser Sheni et le Kerem Revaï. De ce fait, tu devras ajouter le 5e et tu devras aussi le supprimer à la fin au Pessah de la 3e année. Bet, autre discussion encore, qui est encore liée avec un petit peu plus de tact. Bet Shamay Omrim, Yesh lo Peret, ve Yesh lo Olelot, ve Anim Podim Latzman. Selon Bet Shamay, il considère Bet Shamay que il y a, tu es imposé de Peret et de Olelot, qui sont la correspondance de Leket et Shichrecha qu'on avait évoqué dans la Mishnah précédente, dans les deux Mishnahs précédentes même. De laisser le reste des gerbes, là c'est les gerbes bien sûr, on parle lorsque tu parles d'un champ, ou bien les épis que tu n'as pas ramassés, si tu en as laissé un ou deux, tu n'as plus le droit de revenir en arrière lorsque tu moissonnes. Ça c'était bien pour les épis, pour le blé. Lorsqu'on parle de kerem, d'une vigne, alors il y a le même principe, lorsque tu vas cueillir maintenant, tu vas faire tes vendanges, s'il y a un ou deux fruits, c'est ce qu'on appelle peret veolelot, deux sortes de dons aux pauvres que tu dois laisser lorsqu'il y avait un petit fruit qui était suspendu, lorsque tu as ramassé les grappes, tu en as laissé une petite, il y a des halakhot, tu dois les laisser aux pauvres. Selon Bet Shamay, lorsque tu cueilles tes fruits de la 4e année, si toutefois tu as laissé une petite, des petits grains de raisin roulés, tu n'auras plus le droit de les ramasser parce que tu seras aussi imposé de peret et de olelot. Tandis que d'après Beth Hillel, et aussi, et alors tu devras les laisser pour les pauvres, et les pauvres viendront, les ramasseront, et feront eux le transfert de la Kdusha, des fruits, sur leur propre argent, ils pourront manger les fruits et monter cet argent, ils vont chaler pour aller le manger. Ou Beth Hillel Omrim, Kulo Lagat, et Beth Hillel disent que non, il n'y a pas en cela de devoir de laisser aux pauvres. Là, ça devient, c'est là où il y a une petite finesse. D'abord, pour le moment, Beth Shammai, on a bien compris. Selon Beth Shammai, certes, c'est Kadosh, mais ça t'appartient. Ça t'appartient, et il y a une Kdusha dessus. Donc,
Autant que toi, ce qui t'appartient, lorsque tu as une vigne qui est à toi, un vignoble qui est à toi, tu dois laisser certains dons aux pauvres, et bien là aussi tu laisseras un don aux pauvres de tes fruits la quatrième année, il n'y a aucun problème. Et les pauvres viendront, eux, et se conduiront avec ces fruits comme tu devais le faire toi-même, ils transféreront l'œuf du chat, ils mangeront les fruits. Selon Beth Hillel, alors Beth Hillel vont apprendre par Xer Shabbat que ça a le même statut que le Maaser Sheni. Or, le Maaser Sheni, que tu dois monter à Yerushalayim, tu n'es pas considéré comme propriétaire à toi. Ils sont considérés comme s'ils appartiennent à Hachem. Il y a une gdoucha dessus, il y a une grande discussion sur le sujet, mais en tout cas, comme ça, c'est retenu pour la halakha, que les fruits, ils sont kadosh, ils sont saints. C'est juste que toi, tu as un droit de les consommer. Hachem, il t'a offert à toi ces fruits. Il ne te les a pas offert, fait cadeau, mais il t'a invité, viens manger de ce qui m'appartient à moi. Donc les fruits, tu n'as pas de propriété dessus. Tu as juste un droit d'exploitation sans en être propriétaire. De ce fait, puisque tu n'es pas propriétaire des fruits, donc tu n'as plus de devoir de faire des dons aux pauvres, que ça veut dire. Tu fais des dons sur ce qui t'appartient, pas sur ce qui... Si je t'invite chez moi, tu ne vas pas faire des dons aux pauvres de ce qui est sur ma table. Tu viens, tu manges, t'es invité, si je veux faire un don, je le fais moi, mais c'est pas toi. Même principe, Hachem, il te dit, viens, mon fils, mange mes fruits, mais ça reste mes fruits. Donc tu as le droit de les manger, mais tu n'as pas de devoir d'en faire un don aux pauvres, le principe est clair. D'accord ? Ce qui appartient à Hachem, tu as un droit de manger, certes, sur mon Yerushalayim, tu les manges, mais... Tu n'es pas le propriétaire attitré, de ce fait, tu n'as pas de devoir de le laisser aux pauvres. De ce fait, kulo lagat, tu pourras le prendre intégralement, toute la récolte, l'amener en faire du vin, entièrement le gat, c'est le pressoir, où là-bas on fabrique le vin, tu le feras et tu feras ensuite des beaux tonneaux de vin, et tu les amèneras au Yerushalayim, tu les boiras toi tout seul si tu veux, tu n'as pas de misva de faire une matnot anim. Et on a fini la Mishnah, c'est tout bon aujourd'hui, c'est toujours plein de slachakot, tout, c'est là.